nan mitan yo, yo pa ble wè nou, men nou pa pè yo. Diyo sa nou. Nan mitan yo, yo pa ble wè nou, men nou pa pè yo. Carnaval 2013, c'est Wiki. Nan mitan yo, yo pa ble wè nou, men nou pa pè yo. Yo a isye yon pie bwa, en la kwa sou sa. Sezi, yo pa le sezi. Le jen, le kare sezi nan li. Sezi. Ou sou jounen gouvernement? Jounen gouvernement, jounen jodi a, a pote ba ou tout fait saillant qui te existé, qui te fait dans le carnaval 2013 qui fait au Cap Haïtien. Cap Haïtien qui se ville roi Henri Christophe. Jounen jodi a, nous dans la locale exposition Kalfou Richesse que ministre, que nous relé ministre Timaman Chéria, ministre Rosanne Auguste, organisé. Ministre Rosanne Auguste, Kalfou Richesse, c'est une initiative que ou même bureau là, qui c'est bureau qui est chargé de défendre droit monde et qui a combattre pauvreté extrême que ou prend pour capable mettre en valeur richesse jeunesse noire qui soit disant que tout le monde dit qu'il n'y a rien en main mais par contre c'est une jeunesse qui est riche ministre. Oui, c'est vrai Kalfou Richesse c'est un gros outil que bureau là effectivement a expérimenté depuis fin année 2012 là. Nous expérimentons le PowerPoint, c'était commencé timidement là nord au Cap avec Milo. Et nous venons rééditer pendant le carnaval là. Et c'est un outil qui peut permettre que les jeunes identifient les potentialités. Et nous simplement bayons un accompagnement pour être capable de développer les potentialités et créer richesse. Le carnaval là continue au Cap Haïtien. Toute structure est mise en place. Chaque secteur dans ce qui concerne. Salut tous les téléspectateurs, journée du gouvernement. Nous là, dans le Cap Haïtien, Jean-Noël, en boulevard, là, côté deuxième jour carnaval lancé. Nous connaissons que nous avons lancé, que le gouvernement Matéli Lamotte a décidé pour nous décentraliser le carnaval. L'année dernière, était au CAI, année ça nous menait au Cap Haïtien, dans le Grand Nord. C'est une grande possibilité pour non seulement nous visiter, nous revisiter la ville Cap Haïtien, mais nous visiter particulièrement le Grand Nord, parce que le carnaval ça a bénéficié tout le monde en général, pas seulement les gens qui sont capaïciens, mais tout le monde qui est dans la zone avoisinante. Je nous connais quartier Morin, Bête-la-Cule et toute l'autre zone qui va bénéficier du carnaval ça. Donc, côté nous, là, c'est au niveau de bassin versant Babiol. Parce que Vilo Cap divisé en 5 grands bassins versants. Mini bassin versant. Donc, et chaque bassin versant gagne une ou deux ravines. Donc, là, nous gagnons ravine Babiol. Nous avons remarqué le travail que nous avons fait là, il rentre dans le cadre de réhabilitation Ville au Cap. Et nous avons une zone, et puis, maintenant, il y a un pile d'eau. Et ravinant ben en pile d'eau, mais ravinant vient avec un pile alluvion tout. Nous obligés faire des écrans au niveau de ravinant et dans piémont, dans sortie dans route là, on est obligé faire canal pour nous orienter de l'eau vers ravinant parce que n'après gon d'allo puis devant cap orienter de l'eau directement vers la rivière du Haut du Cap. Au niveau de rivière Haut du Cap là, nous au niveau de pont hein, qui c'est un pont colonial. Donc, mais actuellement, on travaille de purage qu'a fait. Donc, nous voyons que ensemble, il y a formé berge là, parce que toute alluvion sortait au niveau de rivière. Donc, travail ça permet que l'écoulement après le fait plus facilement et n'après gain droit pas monter facilement envahir mon monde. Tout travail ça on entre dans cadre pour changer environnement ville au Cap. Et désenclaver vieille villa, orienter le développement vieille villa vers complexe administratif là, qu'a fait au niveau de Vaudreuil.
Pays d'Haïti a recevoir journée jeudi 1, journée 18 février avec demain si Dieu veut 19 février 24e sommet pays CARICOM yo. Chef d'État et chef gouvernement dans région et eh bien yo rendez dans la caille nous journée jeudi a n'a recevoir yo puis capable venir faire une séance de travail sous problème que région ça a confronté. This is certainly one occasion that the use of the word historic is most fitting. 10.5 years after its formal accession as a member state of CARICOM, for the first time, a president of Haiti is chairman of CARICOM. Also for the first time, Haiti is hosting a meeting of heads of government. There can be no greater indicator, symbolic and substantive, that Haiti has taken its rightful place within the Caribbean community. Il en est de même pour la question de la langue. Notre diversité fait notre richesse. La culture des autres fait partie de notre patrimoine à tous. L'intégration, c'est aussi cette possibilité pour l'autre d'exprimer sa particularité. Notre communauté est une tour de Babel qui demande à être valorisée. La question, à mon avis, est d'importance. Je vous demanderai pour cela de lui accorder de l'intérêt. Les inondations, les tremblements de terre, les cyclones et les tempêtes tropicales affectent de manière tragique nos territoires et nos populations. La République d'Haïti porte encore les stigmates de ces phénomènes récurrents et tous nos pays sont menacés par ces catastrophes. Les secteurs prioritaires et structurants qui nous lient, tels que le commerce, le transport, le tourisme durable, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, contribue à renforcer nos rapports dans la défense des intérêts qui nous sont propres. Puisse ce 5e sommet constituer un nouveau départ dans la mise en œuvre de nos politiques et nos objectifs au plus grand bénéfice de tous les États membres, de nos populations et de notre région. Journée gouvernement dans Managua, dans le pays Nicaragua, côté que pral campé 8e sommet pays pétro-caribéo. Pays pétro-caribéo, nous connaissons que c'est une alliance que pays Venezuela fait avec 21 pays dans les Caraïbes là, avec Amérique latine, qui commençait depuis l'année 2005. Dans l'année 2005, les alliances ont commencé à gagner à peu près 15 pays là-dedans. Et Haïti rentré dans le pétro-caribé en 2006. Haïti, je vous dis, qui a bénéficié de programme ça. 21 pays pétro-caribéo, pour aller mettre tête ensemble pour être capable de créer une zone économique pour faire échange commercial, échange économique et échange culturel. Voilà ça, c'est pour renforcer la région, c'est pour relation entre tous les pays régionaux, mais surtout pour renforcer les relations entre le pays qui fait partie de ZEP. ZEP, c'est la zone économique pétro-caribé. Tout pays qui est membre pétro-caribé, qui veut dire qu'on va mettre tête ensemble pour une supporter l'autre, pour une faire échange à l'autre, pour une faire bailler l'autre de telle sorte que économiquement, nous avons plus fort. Donc, zone n'a pas gain pour seulement avec Venezuela, gain pour échange entre tout pays qui n'a pas pétro-caribé. Vous comprenez? Oui. Quand il y a une question posée, non, qui produit un peu de produit. Nous n'avons même pas de produits de Paris déjà, par exemple, si tu apprends Wombaba ou Pola, nous n'avons même pas de ça. Actuellement, avec le ministère de l'Agriculture, nous avons identifié des filières pour nous faire des productions et puis nous rembourser Petro-Caribé
au lieu de payer l'argent, au lieu de payer l'argent, comme nous devons dire, je crois, nous pouvons comme ça, investir dans l'économie haïtienne. Non? Nous permettre planteurs de planter, donc planteurs ont une promesse, puisque ils ont touché pour ça a produit même c'est lui que nous faisons Venezuela. Donc ça, c'est un moyen pour que Venezuela continue à aider les pays pour être capable de développer, non seulement développer la production locale, l'agriculture, mais tout développer le commerce entre les pays saillants et Venezuela. Et ceci pour que les pays d'être là. Donc ça amène nous à Haïti, côté que je vous dis d'être là très élevé, d'être là élevé à 1 milliard de dollars de Haïti vers le Venezuela. Mais Venezuela pas demandé nous repayer. Ça a dit, c'est que vous voulez faire un arrangement pour être capable de continuer la solidarité, le support que vous avez à Haïti. Et comment vous avez fait? Et bien, vous dit que vous êtes capable de recevoir aliments, manger, que nous produisons, que nous capables de produire, que vous êtes capable d'aider nous tous de produire en Haïti pour importer vers le Venezuela et là faire une compensation de dette que Haïti gagne vers Venezuela. Il y a un paquet de travail qui a fait dans le pays. Mais moi-même, j'aimerais aborder pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent nous sur Internet. Nous connaissons les Haïtiens qui vivent à l'étranger. On va aborder l'aspect influence politique. Là. Depuis qu'on arrive au pouvoir, il y a un certain nombre d'actions que le gouvernement Paul a fait. Et depuis que le Premier ministre a montré dans la tête primature, là, nous remarquons que l'influence pays d'Haïti recommence à faire dans la région. C'est certain. Il y a un coup. Tant que l'on a dit, matin, il voyage trop. Ou bien le Premier ministre a voyagé trop. Moi, je vais poser une question. Combien de cob pour Haïti te payer pour te changer recommandation de voyage? Ça y est, le travel warning, qui longtemps te dit, parle en Haïti, vous ne pas de ça. Ou te gagne à payer 800 millions de dollars, ou te gagne à offrir blanc 800 millions de dollars, n'est pas assez pour le changer, il va changer pour vous. Mais à travers l'effort que nous avons fait, l'effort que nous avons déployé, hein, j'en ai et plaidoirie que nous avons, nous parlé à mon yo. Les outils que nous avons mis, nous avons montré ce qu'on a fait en Haïti. Inviter, nous avons invité, des fois, c'est nous qui payons pour nous aller la vache, c'est nous qui payons, c'est un hélicoptère pour nous monter, pour regarder les cailloux qui ont construit, pour regarder les ponts, pour comprendre l'effort que nous avons fait de descendre du riz. Là, pour un rapport aux Nations Unies, tout pays net parle de progrès Haïti. C'est la seule opposition qui parle de progrès Haïti. Et c'est normal. L'opposition a toujours cherché ce qui peut être fait là. Pour le plein, il y a un pile de bagages qui peut être fait. PM n'a qu'on est, il y a un pile de président qu'on est, il y a un pile de Je fais dire l'éducation seulement, il y a des bagages qui peuvent finir régler. L'éducation, c'est numéro un pour moi. Donc, nous connaissons les bagages. Nous avons fait courant, grand pile bagages qui peuvent faire. Nous avons fait mon travail, grand pile bagages qui peuvent faire. C'est ça que nous connaissons. C'est pas manger, mais c'est pas manger. Nous n'avons pas un gouvernement qui peut manger gratis. Mais pendant que nous avons un bon emploi, pendant que nous connaissons que nous prenons temps pour un bon travail, moins gain PM n'a gain pour responsabilité pour nous occuper pendant ce temps. C'est ça que fait une vie avec Timon Manchéri, c'est ça que vient avec cantine mobile, c'est ça que vient avec boulangerie et communautaire, c'est ça que vient avec restaurant communautaire, c'est ça que vient avec Corée PEP, c'est ça que vient avec aider PEP, Corée étudiant et panier solidarité. Donc ça c'est des programmes pour apaiser une population qui gain problème et qui a souffri depuis trop longtemps. De solidarité à pour acte de solidarité à et bien c'est ici on a acheté donc n'a couru planter
parce qu'on a acheté dans main nous. Donc le gouvernement non seulement l'a distribué par des solidarités dans la baie semence, mais l'œuvre à barrer, nous avons réacheté dans main nous pour nous créer une activité, pour nous avoir un petit chocho, un petit moyen dans main nous. Je suis content parce que je suis semence dans le gouvernement, parce que pour la première fois, je recevais un cadeau dans le gouvernement. Je suis content de mettre le lanterne pour que je puisse me profiter pour que je dise que c'est le gouvernement qui va me faire. Je suis content en pile parce que le gouvernement servit nous, parce que nous, c'est pour la première fois que nous rencontrons un bagage comme ça, parce que nous ne pouvons jamais rencontrer le gouvernement déplacé et puis pour venir servir le petit peuple là. Donc nous, c'est en comme ça. Si nous sommes nous sommes avec nous, peut-être qu'il y a vraiment un achat. L'éducation c'est que les enfants pour en Haïti. Nous on fait les l'école nous concerner. Seulement l'éducation qui capable de Haïti. A tous les dirigeants nous concerner. Je vois des présidents. Maman la maladie zona. On y a l'innocent domaine. Je me sens tout le monde même. Ça a fait moi, je me dis bon Dieu merci en pile parce que je ne sais pas comment je fais. Bon, je me dis président, pour ne pas décourager avec nous, pour ne pas oublier nous parce que malheureusement, nous ne pouvons pas gagner ce coup. Programme Ti Maman Chérie atterri dans Baradère. Il y a plus de 200 femmes qui enregistrées en dedans programme ça et nous connaissons que programme ça li fait partie li c'est un sous-programme de aider peuple qui sont vaste couverture sociale que gouvernement a goumé pour le mettre sous tout pays. Nous connaissons que vision président République là c'est améliorer condition la vie ça qui pipiti yo et premier ministre son excellence Laurent Salvador Lamotte lui-même job parle c'est coordonner action gouvernementale là pour que projet gouvernement action gouvernement rive sous silaio qui pipiti. Eh bien action gouvernement li rive sous forme nan Baradère c'est ministre qui a goumé contre pauvreté extrême et qui a défendu droit moun madame Rosanne Auguste c'est lui-même qui lance Ti Maman Chérie pour 200 femmes nan Baradère. Ici, dans Baradère, nous prenons plus que 200 mamans à l'école. Déjà, nous prenons le doublé chiffre là, mesdames. Pour qui ça n'a doublé chiffre là? Administration matérielle avec gouvernement, la vote là, l'éclair, mesdames. Fomio, le Baradère, Fomio, le tout et département, que ce soit l'asile, que ce soit Plaisance. Administration matérielle, gouvernement, la vote là, ils ont pas d'accord pour Fomio continuer à faire petit yo. Elle fait l'estafette avec madame Naville. Parce que l'administration matérielle du gouvernement la mode là, elle voulait que la partie de programme ça, puisque c'est 200 mamans qui jouent un petit couple ensemble, là j'ai brassé l'embaladeur, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous comprendre qui ça n'a pas ensemble, pour nous capables de sortir la misère, sortir la pauvreté extrême. We'll be right back.
le gouvernement, président Michel Martelly a monté, situation était bien différente ici, là, dans le sud-est en général, que ce soit Côte de Fay, que ce soit Jacques Mel, que ce soit Marigot, que ce soit Péridot. Situation était bien différente. Nous venons jouer une situation côté que Bodmea a de construction sous lui. Nous venons jouer une superbe ville mais qui demande en pile travaux infrastructure pour remettre la ville là sous pied. Et mais rapidement nous mettons nous au travail et bien nous avons constaté aujourd'hui que Jacques Mel sud-est là en chantier. M'a dit Jacques Mel dit sud-est là en chantier. Donc le par exemple nous dans ville Jacques Mel nous voyons que route est asphaltée, rue Baranqui est asphaltée. Centre de convention lui-même a travaillé sur lui, il est à 60-70% terminé. Nous avons un bonne mer qui lui-même a bétonné pour venir faire une belle bonne mer. La Jacques-Mélienne, la préfète. Nous avons une protection belge qui a fait. Nous avons un gabionnage qui a fait. Ici, à la, nous avons lancé un bel pont. J'ai un secrétaire d'État, j'ai un sénateur qui a expliqué là pour qu'il sauver la vie de la population. Nous allons inaugurer un centre d'opération d'urgence. Ça, c'est pour la saison cyclonique qui va venir. Pour permettre la protection civile, mais capable de faire travail en cas de désastre naturel. Le gouvernement lui-même a travaillé la journée et la nuit pour que Jacques Mel soit belle, pour que le sud-est soit plus belle. La présence nous aujourd'hui dans Marigot, eh bien, c'est une bataille. Une bataille qui, depuis mardi dernier, pour éminer ça par devant le Sénat de la République, était soumettre à chaque parlementaire, bref, à chaque sénateur, eh bien, une copie de ensemble de réalisations eh bien, à travers le pays. Et les maps feuilletées, fourrées, cherchées, dans le fin fond du dossier de soumettre moyen, moins joint que gagner 4,5 millions de dollars américains eh bien, pour construction de pont Péridot. Et gagner près de 3,5 millions pour commencer à attaquer la rénovation ou aménagement route Péridot Bellance. Tout là-dedans. J'ai estimé que l'important pour que le Premier ministre s'est rapporté lui, pour que je fasse venir, moi, Max Sénateur Zeni, député Kenol, pour venir garder de visou le problème que nous-mêmes nous mettons devant nous. Jeudi a son jour spécial, un jour historique pour le pays d'Haïti. Côté que depuis le Premier ministre, son excellence Salvador Lamotte était arrivé dans la tête primature, la tête du gouvernement, réflexion était lancée pour voir comment qui manière pour résoudre certains problèmes dans la circulation dans le pays d'Haïti. Et une solution qui te joint, c'était pour te bâtir une passerelle sur la route Nazon. Après le gagner 4 voies, 2 voies aller, 2 voies tourner, et puis en bas passerelle, il y a ça relais, voie de tournage à droite et à gauche pour capable décongestionner la circulation sous Nazon avec route aéroport. C'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas oublier que le moment où il y a un trafic, on perd un peu de temps dans le trafic. C'est-à-dire que vous avez une bonne bagarre, vous perdez le gaz, vous passez l'argent, vous perdez du temps. Bon, ben, ça va améliorer le trafic, ça permettre que le flow soit beaucoup plus facile, qui permet que devenir plus fluide. Les travaux d'études sont finis, vous avez implémenté l'autre jour, vous dites que c'est le travail même qui commence. Donc, le Premier ministre, le ministre de la République, si vous voulez présent, moi je dis que je vais passer tout parce que quand même son projet et gouvernement à toute administration, la un grand et marque de modernisation pour le pays d'Haïti, ouais, on viaduc, on va qui pas existé ici. Depuis 1804, nous avons besoin d'Haïti et pour petit l'école. Ouais. Donc le projet est là depuis 1804, projet est là depuis 2000, projet est là depuis 1940. L'idée, c'est réalisation. C'est la première fois dans l'histoire du pays, à côté de nous, on route en l'air, un viaduc qui lui-même a plus que 7 mètres de haut et qui apparaît en novembre 2014, c'est ça qui date de l'inauguration et du projet si là, qui est en créé 85 emplois et qui a le potentiel pour le créer en 200 à 300 emplois additionnels dans la zone.
bâtiment qui pral abriter ministère commerce avec industrie. Ministère commerce avec industrie te fou 41 l'autre building l'état qui était tombé l'autre tremblement de terre 12 janvier. Et UCLBP c'est un organisme qui gen sous brali travail ça. Premier ministre son excellence Laurent Salvador Lamotte te font visite dans UCLBP pour être capable de voir comment est-ce que travail reconstruction pays d'Haïti avance. Je dis à nous venir dans UCLBP qui sont organes qui dépendent de primature pour que nous venir et travailler sur reconstruction pays. Nous connaissons que il y a un pile projet qu'a fait dans pays en chantier. Donc et slogan UCLBP c'est reconstruire mieux et dans cadre ça on a fait des inspections pour superviser avancement projet gros chantier de reconstruction pays. Côté nous là, nous sous place des artistes sous champ de masse. Dans espace côté mi là, dans petit espace ça, et bien c'est là que dans petit temps pas longtemps, moun ki a vann poule barbecue poule sous champ de masse là, yo pral gen espace ça très bien aménagé, très propre, yo capable faire commerce ça. Yo commerce que nous connaît ni mre ni où qu'on mange la dedans presque chaque jour. Et bien petit espace ça, là l'habiter, machine là ka vann poule là, boy c'est là abonne gaz qui pou capable fournir réchaud sous place des artistes là en pile travail pral fait. C'est ingénieur Ludes Lustin cap dit nous ça pral fait sous place des artistes là sous champ de masse dans reconstruction pays d'Haïti. Normalement c'est place là qu'il y a réaménager et normalement et bâtiment ça est là, petite construction ça c'est pour machine barbecue qui a fait. Ça dit ça son bar cap derrière car côté pour mettre bonbon gaza cap on porte cap vous pas derrière mettre bonbon là et bien dans son cuisine et bien monde cap besoin venir acheter barbecue normalement automatiquement les places là fini. La on passe de rue faire comment le barbecue. C'est un barbecue à pas vendre avant dans la rue, il va exposer encore. Pour Haïti, son gros jour pour tourisme, son gros jour pour tout haïtien qui vit en Haïti ou l'autre bord de l'eau qui besoin que le pays apprend au niveau international. Eh bien, c'est le gouvernement Matéi Lamotte là décidé de faire de Ilavache une destination touristique à part entière. Nous avons fait plus de 15 km de route. Et là, on a précisé 8, mais on a précisé que c'est 15 km de route qui est en fait journée aujourd'hui pour arriver dans le lancement aéroport international il a vache là. Faut me dire nous que gen un appel d'offres qui fait au niveau international, nous gen 4 grands groupes qui intéressés venir investir dans Iléan. Donc là pas accompagner tout investissement que gouvernement ça a mettre sous il la vache, accompagner non seulement une fois que aéroport apparaît, en même temps parallèlement projet touristique a commencé pour que nous puissions recevoir avion. Donc moun il la vache yo, c'est un projet pour nous, mais Jean-Premier ministre a dit son projet pour Haïti. Il prend la première destination touristique Haïti qui planifie. Côté nous avons un comité de pilotage que nous mettons en place, nous mettons un comité technique, nous avons un ingénieur sous-iléen qui poursuivent tout projet. Nous avons un corps de police tout qui prend la sécurité à moun sous-iléen et à touristes qui prennent venir. Donc il prend vraiment un projet à part entière. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville Belader avec le Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, qui vient visiter la ville Belader, qui est une ville frontalière avec la République dominicaine, pour être capable de voir quel genre de problème qu'il a confronté. Dernièrement, le Premier ministre a rencontré habitants dans Belader, quelques-uns là-dedans, mais un dialogue social. Fait Belader, comment nous y est de nous, non? Comment nous y est? Ok. Je dis que. Il y a un problème de sécurité dans la ville là. Donc, je voulais faire un déplacement. Ce n'est pas le chef de la police là seulement dans la ville là. Pour montrer nous l'importance que Belader a pour nous déplacer pour la première fois CSPN en entier. Donc CSPN, c'est le Conseil supérieur de police nationale qui vient déplacer pour un problème de sécurité. Là où on s'y
quitter sans manger, ça le fait voler. Si taxe nous en, pas même gens avec toute taxe. Moyenne, petit, gros, n'a toujours fait vol. Ou pas plus si l'autre a grandi, maman c'est les valises pour l'autre, je ou pas pour pas la la plage est valise à l'envoi et puis les souhaits. Nous voulons investir dans Belade. Nous voulons faire route, nous faire route là. Nous faire route là. Nous connaissons la route là, nous avons question de l'expropriation. Nous avons besoin d'expropriation pour la fête. Nous faisons lycée, nous mettons tout le monde à l'école gratis. Nous avons aidé, maman et papa petit, nous faisons. Mais pour nous faire le plus bien toujours, il faut que nous gagnions l'argent, il faut que nous gagnions moyens. Et, Pablo Zamdou, le seul côté de nous qui avons moyen ça, c'est la douane avec notre taxe. Nous commençons à faire travail, mais juger que il y a un pile travail qui vous fait toujours. Dans le programme l'école gratis Sugoa, il y a 13 écoles qui ont bénéficié. Et nous engageons nous tous pour nous doubler le nombre d'écoles qui ont bénéficié de l'école gratis. Là. Nous avons exigé de participer dans un concours qui a fait sur 4 jours. Après le concours, il y a eu relais pour nous déposer pièces dans le ministère éducation, ministère affaires étrangères. Effectivement, nous avons fait ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas jamais dit nous rien, mais c'est dans chercher qu'on est, nous arriver qu'on est que y a résultat. Yo, les nous relais dans le yo dit oui, nous yo choisi, yo choisi yo déjà, nous-mêmes nous pas là-dedans. Je ne vais pas quitter ce monsieur Alessandre Barré pour nous, parce qu'après belle lettre ça que nous voyons ben moi m'pa ka quitter le comme ça. Donc Hélène Cadet, Marc Bernard Belloni, moi pendant que nous lis lettre là ben moi me relé ministre affaires étrangères là pour me connait ça qui passer avec bourse Mexique. Mexique te offre 300 bourse. Dans 300 bourse là si m'pa trompé mais gagne environ 119 ou 125 bourse qui yo font concours pour lui. Mais c'est pas gouvernement haïtien qui choisit qui est si gagné un concours, c'est l'ambassade Mexique là. Donc dans le concours, yo choisi moun ki gagne un concours. Donc moun ki gagne un concours, c'est moun sa que après a voyé Mexico qui gagne bourse. Donc son processus qui fait pas par nous-mêmes mais par le gouvernement mexicain à travers l'ambassade. Cependant, m'pa vle aller sans ba di nou m'ap ba nou tout support moi parce que monsieur que ni sénateur là ni député pas content si m'aller et puis Baba nous tout support pour nous capables de joindre bourse dans l'autre pays ou bien dans l'autre processus. Donc, il y a un pays Brésil tout qui a combien de bourses, ministre? 28 bourses. Et donc, nous pouvons faire nous entrer dans le processus ça. Nous vite fait trois bagages avec nous. Premier bagage là, c'est un petit dialogue social côté que même avec le gouvernement, n'a chita ensemble avec le peuple là pour être capable de poser des questions. Nous voulons la première ministre nous. Programme et le peuple vini avec 1500 kits, 1500 paniers de solidarité pour chaque monde là. Nous venons d'entendre, nous avons besoin. Nous venons pour nous demander qui ça, ou même, ou besoin, pour dire nous ni. Et qui ça nous a dit dans le dialogue là? Quatrième côté, Matikaba. Nous avons besoin de moins, quatrième côté, Matikaba. Je tiens à me compter en pile et je suis satisfait. Est-ce que moi, gouvernement, je suis avec paysans qui sont. Pour défendre l'intérêt. Nous disons, Président Martelly,
à Premier ministre, merci en pile. M-E-R-C-I, merci. P-R-A-V-O, bravo. Bravo. C'est petite personne, c'est notre nouvelle touraine en bas de la selle. Premier ministre, nous comptons voir. Nouvelle touraine, pas de l'eau, pas de l'école, pas de route, pas de dispensaire, nous avons des problèmes. Bonka, pas de l'eau, pas de l'école, pas de dispensaire, nous avons des problèmes. Quatrième belle fontaine, pas de route, pas de l'école, nous avons des problèmes. Premier ministre, nous avons bataille à la main. Question m'a posé Premier ministre. Parce que nous-mêmes, ici, nous avons comme, nous avons un groupe qui est OPFF. Femme bon en piscine. Mais tout à la paix, ils ont toujours mis des femmes piscines au dehors. La fille du Premier ministre, il y a un grand monde tout dans la piscine. Grand monde a mouru. L'homme tout ça, il y a sa cocobé. Il y a sa pas à manger. Parce qu'il n'y a pas de monde qui vous baille au coup de main. Parce que depuis qu'il y a passé 50 ans, il y a la guerre pour mourir. Premier ministre, mais ça demande pour grand monde dans la piscine. À tout magistrat, yo, débité yo, pour yo passer même pour yo voir grand moun à femme fils yo. Fait résumé gouvernement la caillou et doléances que peuple a porté. Donc, il y a des demandes pour plus cantine populaire. Donc, de ce ça, ministre Masla, ministre des Affaires sociales, a fait installer 6 nouveaux restaurants communautaires de Gafou. Programme Tire ma chérie, appelle à terre sur tout moment dans toute section de Gafou. Donc, il y a programme Sugoa. Ça va continuer. Programme sur quoi prend 4500 élèves en plus dans Gafou. 4500 élèves. Il y a 15 bourses. Donc 15 bourses là sous ça, sous Babial Basoulou. Il y a 15 bourses pour étudier, 5 bourses pour aller en aide, 5 bourses pour aller dans le pays Venezuela et 5 bourses pour aller au pays Cuba. Donc 15 bourses qui peuvent être faites à partir de concours. Donc, et bien, elle fait à partir de concours qu'on n'a que 15 jeunes dans le Gafou à bénéficier. Où sous journée gouvernement? Journée gouvernement a présenté au gouvernement la caillou, gouvernement la caillou qui a fait dans Delma. Ça nous capable constater moun Delma yo très discipliné, yo chita même avec moun Kafou pour yo capable recevoir gouvernement la caillou. Mais comprendre pour la aujourd'hui dans programme gouvernement la caillou. Son nouveau concept de gouvernance pour le gouvernement ministre directeur général, eh bien, tout grand commis de l'État, mais ils ont quitté le ministère, ils ont quitté le bureau, et puis ils ont fini dans le peuple là pour venir écouter le peuple là, pour venir parler à le peuple là directement. Pour que nous retirions la bureaucratie, la sécurité, tout le monde, et que nous venions entendre ça nous répondit, qui gens nous voulons participer dans le progrès d'Elma. Aujourd'hui, nous bien contents de nous recevoir parce que c'est la première fois que le gouvernement marche venu dans la caillou. Parce que nous disons merci tout pour le bel travail qu'on a fait. Parce que ne pas quitter les gens vivre dans le fatral, parce que nous vivons dans la cité, on sait le bagage, c'est le problème. Et la mangeage là qui va arriver par nous. Je félicite le gouvernement, donc nous, le gouvernement Bachita,
côté qu'il y a passé dans chaque commune pour venir parler ensemble avec la population. Donc nous féliciter le gouvernement et la motte ensemble avec le président Joseph Michel Martelly. Donc nous même n'a petit peuple là, nous accompagner yo, n'a veille yo tête calée. Le gouvernement la Kayou, Danilo, n'a pas laissé ce souci pour aujourd'hui. C'est un programme que le gouvernement mette sous pied pour communiquer plus bien avec la population. Pour atterrir, pour venir goûter, qui sont programmés, il faut évaluer de tout ça qu'a fait, qui sont la fête, est-ce que nous satisfaits, et si nous pas satisfaits, pour nous garder la parole, pour nous donner l'opinion nous sur qui sont le gouvernement à travail. Dans le département Nord actuellement, nous avons plus de 90 000 têtes de bœuf. Le problème de voler bœuf, de longtemps, la durée et son bagage qui a dépassé nous, en plus de monde, des problèmes de perte de bœuf. Depuis quelques temps, le ministère de l'Agriculture a été chita avec l'Association nationale CASET, avec plusieurs organisations paysans, autorités locales, le ministère de commerce, pour nous voir comment nous sommes capables de mettre fin à ce bagage. Et nous décider de mettre un système qui va bien trois règles du jeu. Identifier les bêtes, contrôler le mouvement des bêtes, et puis contrôler les gens qui ont tué les bêtes dans le pays. Nous avons des travaux qui ont fait la protection de 20 rivières du Nord. Nous avons fait des zones pour les personnes, les gens qui ont été intervenus, qui paient, qui ont été intervenus très bientôt. Et nous avons intervenu déjà en 20 rivières de la salle des deux en haut dans les 20 rivières du Nord. Nous allons continuer, nous avons commencé en janvier 2005. Pour partir lumière, avec le député Aoué Chéri, nous avons fait avec nous un rendez-vous mardi pour faire lumière, pour entrer, lumière pour nous mettre pour alimenter deux ans avec le Saint-Raphaël, la partie de la prenne. Ça veut dire déjà. Gouvernement débarqué, tout ministre là, directeur général, secrétaire d'État, vient travailler sous problème si grave. Mais en plus de ça, nous venons entendre nous. Nous venons entendre toute population par secteur. Pour aller ça, nous gagnons 16 595 nouveaux élèves qui entrent dans le programme. On parle de tout Tigouave, commune Tigouave. Ce qui ramène nous à 55 241 Timoun qui en dans le programme l'école Psygoa, l'école gratis. Là. Je suis exhumée Marie-Sophia. Moi, c'est une moun qui a bénéficié d'une bourse d'études pour Maroc. Après, moi, j'ai fini de subir l'examen pour philo. Mais cependant, moi, je dis nous tout. Spécialement, j'ai aussi dit tout à l'heure, moi c'est un homme qui est spécialisé dans la partie nouveau secondaire. Moi je voulais dire que ce n'est pas un bagage qui fait dans le parti pris. Peu importe où tes petites soeurs, depuis que vous avez connaissance ou intelligent ou n'importe ça vous voulez dans la vie. Mais ça doit être un vil plaisir aujourd'hui à nous capables d'annoncer que dans Rue des Salines, avec notre cité Pierre-Louis, nous avons deux restaurants qui ont commencé à fonctionner aujourd'hui. Hein. Et chaque restaurant a une bonne capacité de production de 500 plats par jour et manger avant 10 gourdes. Je demande aux populations pour être capables d'aider nous confirmer que pas de personne qui fait payer par plus que 10 gourdes. Parce que la supervision nous montre que nous avons quelques côtés, il y a monde éventuellement qui est capable de jouer dans la restauration, qui essaie de vendre plats plus que 10 gourdes. Et aider nous-mêmes l'État pour nous confirmer que plat manger arrivé 10 gourdes sur nous. Nous avons trois autres restaurants qui ont privé sous Tigouave et lui-même n'a quitté que maire là, confirmé dans qui zone que nous avons mis. Nous avons produit tous matins. C'est un produit côté que tout le monde aime produit tous matins que nous avons baillé. Côté que nous avons trois mondes dans Tigouave qui sont capables de représenter tous matins, qui sont Carabin de Fin, qui sont Carabo et famille là-bas. Nous décidons de nous mettre ensemble pour nous avancer avec l'entreprise de ce matin-là. Et qui vient nous financer, comment nous venons financer? Tout à fait, la
connaît que nous avons écrit pour le gouvernement, pour demander un support, un appui. Et nous devons annoncer que nous avons approuvé à Pisa. Et le gouvernement a appuyé chaque entreprise à hauteur de 500 000 gouttes par entreprise. Merci, monsieur le président. Merci, Gord. Pas de bonheur pour vous. Assistance sociale gouvernement, nous by FAES mandat pour que FAES capable jouer un rôle principal dans coordination de exécution projet d'assistance sociale. Donc nous demandons selon dernier conseil là pour que l'été vienne avec des bénéficiaires et des monde qui capable témoigner de qui j'ai programme d'avancer pour eux. Effectivement, comme des résolutions dans le dernier conseil, non, nous avons demandé pour nous deviner avec quelques bénéficiaires du programme des peuples. Donc aujourd'hui, nous venons avec trois bénéficiaires de deux dans le programme. Nous ne pouvons pas mener tous les bénéficiaires de tout le programme, puisque nous avons dans l'agenda, c'est 10 minutes seulement. Là, nous avons c'est surtout des membres d'associations de producteurs qui bénéficient du programme Panier Solidarité et Cantine Mobile. Donc, je passe la parole d'abord à Gilbert Buteau, qui est responsable opération et des peuples, non, qui va les présenter nous. Merci beaucoup, DG. Je salue tout membre du cabinet gouvernement qui l'a, y compris Premier ministre, Son Excellence, M. Laurent Lamothe. Dans le cadre d'activités que le programme ça a mené, il y a des programmes côté que, à la fois, la population a bénéficié de produits. Mais tout, il y a des producteurs qui fournissent des intrants. Et c'est avec eux que nous allons parler aujourd'hui. Là. C'est une occasion pour nous, en tant que producteurs et professionnels dans le domaine agricole, pour nous parler de l'importance PAES, gouvernement Matéli Lamothe. Moi, je voulais remercier tout pour le bon travail à faire. Pendant, on a dit que le programme a aidé nous en pile, parce que nous connaissons un petit producteur, là, le fait produire. Ça aurait les madame Sarah, papa, possibilité pour le vendre, pour tenir compte de coûts d'exploitation. Donc à travers les peuples FAES, nous vendons des produits ça. Donc c'est un moyen pour nous réduire le problème marché. Parce que l'un vend produit ça par FAES à travers les peuples. Donc nous avons un risque pour monter tête camion et puis tout producteur est intéressé pour le produit plus. Ça m'a demandé le gouvernement présentement donc à faire plus. Nous avons un problème nous dans la Tibonite. La Tibonite, là, qui problème non? Un problème qui est grave, qui n'est pas grave. Ça a besoin de route agricole. Tout ministre sur la directeur général, secrétaire d'État, m'a salué le gouverneur de la Banque centrale qui l'a avec nous, M. Charles Castel, nous allons discuter de stabilité macroéconomique pays. Nous avons aujourd'hui une journée qui va consacrer à un conseil gouvernement qui va concentrer sur la transparence, sur l'effort que le gouvernement a fait dans l'affaire corruption, dans l'effort qu'il a fait dans la question contrebande. Nous connaissons qu'il est un gros fléau pour le pays. Côté que le pays a perdu des millions de dollars dans la question de moun kap entre marchandises sans payer droit de douane égal contre banque. Mission, qui ça nous fait pour nous mettre nous place, nous, mettre nous position nous. C'est exactement nous gagnons un plan stratégique que, qui gagne 9 axes là-dedans, que nous, c'est chaque jour, au quotidien, nous exécuter.
yo c'est cadre institutionnel côté nous prend côté nous créer nous faire loi nous élaborer loi loi ça actuellement qui n'en parlement ça a élaboré par l'US par l'ULCC depuis 2009 qui était déposé donc c'est avec un peu de lobbying que finalement loi vient voter maintenant par le Sénat mais qui prend et n'a capitaine pour voter par la Chambre des députés. 24e conseil de gouvernement ça qui était fait dans la cour primature en dedans salle conférence primature à que premier ministre son excellence Laurent Salvador Lamotte t'est dirigé t'est montré nous que premièrement finance pays d'Haïti en pile travail a fait là-dedans pour que gagne transparence en dedans finance là transparence en dedans trésor transparence en dedans budget pays d'Haïti qui journée aujourd'hui là retrouver lui en dedans parlement qui attend pour s'il t'a voté et même budget ça selon ça qui dit en dedans 24 conseil là l'année prochaine budget ça l'a écrit l'a fait avec beaucoup plus de concertation beaucoup plus de paroles pour que budget capable refléter volonté peuple haïtien qui ça peuple haïtien veut côté peuple haïtien veut que gouvernement parle là investi pour développement pays d'Haïti et travail qu'a fait contrebande contre la corruption l'a continuer je ne comprends rien Jean Théouel là qui donc travail l'a fait sous tout domaine pour que pays d'Haïti joigne chemin développement 24e conseil gouvernement ça lui montre tout volonté gouvernement premier ministre Lamotte là pour lui faire toute bagaille à clair pour que tout le monde capable wè ça qu'a fait en dans gouvernement dans transparence technicien c'est toujours Jackson Desimond monteur Valérie Aurélius c'était journée gouvernement.